Before I forgot, do you have an elevator to bring all the guests? Oh yes, absolutely. Okay, okay. Sorry, I'm just used to the stairs. My no, apologies. No, that's good. Absolutely, I'm just asking. Just you can do long table, however it is that you would like to do, we can certainly accommodate. Thank you. I think it's less expensive than the seashore. So we just have to stop with music and such at 10 p.m. 10 p.m.? Yeah, that's fine. Max, il faut voir avec le repas et tout. Ouais. Bon, mais ça y est, on a fini les visites. On essaie de trouver la salle parfaite pour cet événement. Et là, on va prendre un café pour débriefer de tout ça. Il y a des problèmes de peau, ça se voyait toujours et elle disait je trouve pas de make-up qui me couvre. Et du coup elle a travaillé, elle a réussi à faire son make-up qui la couvre et du coup elle a dit avec ça c'est sûr que je fais de l'argent. Elle a ouvert son site internet en ligne. Premier jour, zéro. Deuxième jour, zéro. Un mois après, zéro. Elle a dit bon, je pense que le truc il marche pas, c'est pas possible que personne n'achète. Et ils ont galéré pendant 5 ans. Donc elle a enlevé son make-up, elle a mis le truc et tout le monde était là, waouh, et tout le monde a acheté. Et du coup il appelle, ouais t'as révolutionné le truc, machin. C'est lourd. Mais et du coup elle parlait. Son livre il s'appelle Believe It. Enfin, bon maintenant elle vit que de ses, elle fait que des events et tout, tu vois. Elle a vendu la compagnie, 1 milliard. Et elle a dit lourd, le gars qui m'a dit je te prends pas. Maintenant, il travaille pour moi. Non. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Elle m'a dit, maintenant, il travaille pour moi. Okay. Oprah, elle l'a invité et tout, parler de sa story. Et en fait, ça a fait un gros boom parce que tout le monde était la punaise. Sérieux? Ouais. Elle est partout. Non, mais ça, je le savais pas. Mais vous voyez, la team, je vous disais, votre réseau, il est super important. La qualité de vos discussions dépendra aussi du réseau que vous avez. Si vous avez autour de vous des personnes qui ont un mindset pauvre, mais forcément les discussions vont être aussi à ce niveau-là. Donc vous devez vraiment vous entourer des personnes qui ont le même niveau d'ambition que vous, qui ont déjà fait mieux que vous pour tout simplement vous élever. C'est vraiment important. Peut-être que tu ne connais pas, c'est Russell Brunson. Ben oui. Tu connais ? Parce qu'il était à Tony Robbins. Il était à Tony Robbins aussi? Il est dans le mastermind de Tony Robbins. Ah ouais?